Tu m'as fait gagner pas mal de temps en venant ici, Batman. Je vais te tuer, puis je ferai repartir ton cœur. Et je te tuerai encore. Je suis à la recherche de Black Mask. Où est-il? Je suis pas là pour parler. Je suis là pour buter. C'est ta dernière chance. Ce combat prend le temps. Je te frappe, mais tu reçois 50 000 vols. Qui veut bien me montrer où se trouve le pingouin? D'accord, bande de mouches. C'est l'heure de gagner votre dîner. Fais-lui une ratée. Si vous voulez pas voir de quel poids je me chauffe, venez ici et réglez-lui son compte. Maintenant, ça suffit. Je te dirai que dalle! Encore un peu de pression et je te brise le larynx. Qu'est-ce que t'en dis? D'accord, c'est bon! Il est dans son bureau. On y entre uniquement par le théâtre, de l'autre côté du casino. Mais Tracy te laissera jamais passer. Tracy n'est pas un obstacle. Qui aurait envie de venir sur ce rafio? C'est pas ça qui me pose problème. Tracy, c'est très bien ce qu'elle fait. C'est une dure à cuire. Fais-moi ce truc! Tuez-le! Il va se fatiguer. Bouchinski a repris conscience et il est en cavale. J'aurais dû le ficeler et dire à la police de le récupérer. Alfred, j'ai croisé un des assassins. Lester Bouchinski. L'électrocuteur, vous allez bien? Oui, mais il a réussi à fuir. Ses gants émettaient un fort signal électromagnétique. Si vous isolez ce dernier, je pourrais retrouver ce malfrat. Je vais m'en occuper. Où allez-vous maintenant? Je me dirige vers le casino du Final Offer. Je vais demander à l'assistante du pingouin de me conduire jusqu'à son patron. Rien y faire du tout. Comme ça, hein? Ouais, comme ça. C'est pas elle qui va me dire ce que je dois faire. T'as raison. Faut pas les laisser porter la culotte. On va tuer cet enfoiré! Moi, la vie. Faut pas s'inquiéter. Les derniers gars ont dû les... C'est incroyable! C'est pas trop mal! Dans la merde! Candy! Elle a mérité une correction, celle-là! J'espère que c'est un rouge à lèvres que tu cherches.
moi et laisse-moi sortir. Allez, libère-moi. C'est pas marrant. Alors, où en sommes-nous, Candy? Vous avez suggéré que le petit Alberto, ici présent, est poussin. Essaie de convaincre son père de prendre sa retraite anticipée. Il a refusé, il vous a traité de... voyons... de petite, ordure, déphasée. Non, 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 pitié! Tu ferais bien de m'écouter, Falcon. Parce que c'est la dernière fois que je... demande. Qu'est-ce que tu vas dire à ton père? Qu'on va arrêter de vendre des armes. Je te le promets. Je vais l'y obliger. Je vois tes lèvres bouger, Bertie. Mais j'entends pas le son que je voudrais entendre. Je vais te démontrer lui la tranche. Allez, n'oubliez pas pourquoi je vous fais, les dames. Qu'est-ce que vous attendez? Votez-lui le cul, bande de gros ratés. Oui. Non, attends! Attends une petite seconde! Ah, je t'observe! Tu fais la même chose que moi! Black Mask, il a mis ma tête à prix! Où est-ce qu'il est? Je surveille pas tous les tarés surexcités! T'es pas très populaire dans cette ville! Patience a des limites. Ah, attends, attends. Les Lacey Towers, il y a eu un meurtre. Il était censé être à l'abri là-bas. Mais ce vieux Black Mask, il a de gros soucis à mon avis. Quelqu'un est entré et... On dirait que la partie est finie avant d'avoir commencé. Je ne suis pas très joueur, Slade. No!
C'est fini, Slade. Qui es-tu? Content de t'avoir vu, Batman. Tu trouveras la sortie tout seul. Sur un meurtre au Lacey Towers. On dirait que la police est sur la scène de crime actuellement. Oh, c'est très intéressant. Ils disent que la victime est Black Mask. Black Mask est mort? Je me rends tout de suite là-bas. Citoyens opprimés de Gotham, vos appels à l'aide ont été entendus. Je suis Anarchy, la voix du peuple. Et je suis là pour vous sauver de la corruption qui infeste notre ville jadis fière. Ceux qui ont été engagés et élus pour nous libérer ne lèvent pas le petit doigt. Pourquoi le feraient-ils? Ils ont tous été achetés et encouragés à fermer les yeux. S'ils n'agissent pas, je le ferai. Quand l'aube sera là, les causes de la ruine de Gotham seront éliminées. Revenons maintenant à votre programme régulier de propagande et d'immondices consuméristes. Comme s'il n'y avait pas assez d'action ce soir. J'ai placé trois bombes là. Est à son souffle. Mais contrairement à mes ennemis, je crois à la liberté de choix. Je t'en offre donc un. Laisse-les exploser ou désamorce-les. Tes actions détermineront ce que je ferai de toi. Monsieur, par ici. Hé, doucement, je cherche pas la bagarre. J'ai un message, c'est tout. Anarchy dit que si vous voulez retirer de l'argent, vous devriez le faire maintenant. La plupart sont tellement pourris que ce sera plus sûr sans eux. Mais il faut que tu aies ces. Pas question de vivre encore comme. Intéressant. Même en sachant ce que tu as fait aux endroits que j'ai visés, tu les as épargnés. Désolé de te décevoir. Me décevoir? Pas du tout. Viens donc au tribunal pour qu'on puisse poursuivre le procès de Gotham. Ah! Je suis ravi que tu sois venu. C'est un honneur, vraiment. On a beaucoup de choses à se dire. Qu'est-ce que tu veux? Je veux te proposer une alliance. Je crois que nous pourrions accomplir de grandes choses ensemble. Je ne travaille pas avec les criminels. Il faut que tu te rendes à la police. Tu sais quoi? Je me rendrai dès que tu auras fait la même chose. Mais tu te prends pas pour un criminel, pas vrai? La tenue, les gadgets, le sens du devoir... En fait, t'es qu'un gamin friqué qui compense ses délires financiers. Quel dommage. Tu ne vaincras pas notre cause! C'est fini. Pas encore. C'est la guerre qui classe. C'est pas la guerre. T'es un... Oh!
est sans espoir. Je veux qu'on discute, mais tu réponds par la violence. On devrait être au-dessus de ça. Tu n'es qu'un gamin. Et qu'est-ce que ça peut faire? Je voulais changer les choses. Je croyais que c'est ce que tu voulais. C'est vrai, mais pas comme ça. Beaucoup d'innocents ont failli mourir ce soir par ta faute. Innocents? Ils ont regardé Gotham se dégrader sans lever le petit doigt. Ils sont effrayés. Non, ils sont faibles. Exactement comme toi. La police ne va pas tarder. Tu t'es déjà demandé comment les choses ont pu si mal tourner? Moi, oui. Tout le temps. Tu sais, je crois pas que des gars comme Roman Sionis ou Oswald Cobblepot soient responsables. Ce sont des reflets de notre apathie, de notre envie, de notre peur. On détourne le regard quand les choses se gâtent. On s'oublie dans notre travail. On consomme de la propagande sous couvert de divertissement. Le message est toujours le même. Ne pensez pas, ne posez pas de questions. Et que devient une société qui a baissé les bras? Elle pourrit. Elle n'est plus que menteur, tricheur et voyou. Dans tous les quartiers, les Richards ne valent pas mieux que les dealers des rues. Tous font ce qu'ils peuvent pour prendre le dessus, quel qu'en soit le prix. Je dois vite aller aux Lacey Towers avant que la police détruise l'épreuve du crime que le pingouin m'a signalé. Rubio, quelle est ta situation? Je fume une clope sur le balcon avec Jiménez. Les types sur le balcon, ils sont peut-être mon billet d'entrée. Le dossier est bouclé. Le pingouin a tué Black Mask et sa gonzesse. On a trouvé les petites empreintes de cet enfoiré juste à côté des corps. Ouais, on tient le pingouin. J'aimerais bien voir comment il va s'en sortir. Des empreintes, deux cadavres. Je crois qu'il est bon pour la tôle. Ouais, sauf que la scientifique va s'en attribuer le mérite. Et c'est moi qui ai trouvé les empreintes. C'est pour ça qu'on nous envoie d'abord. On peut se servir en premier, mais on n'a pas la gloire. Moi... On va s'amuser! Je voudrais pas te rendre! La police pense que le pingouin a assassiné Black Mask. Mais pourquoi m'enverrait-il ici si c'était lui le tueur? Ce n'est pas logique. Ce crime a eu lieu il y a quelques jours. Le feu et l'exposition aux éléments rendent l'identification des victimes difficile. L'homme porte un masque noir, mais je ne peux pas savoir s'il s'agit bien de Roman Sionis sans analyse ADN. Je ne peux pas faire ça sur place. Je peux identifier la victime féminine grâce à ses empreintes. Tiffany Ambrose, la petite amie de Roman Sionis, ou l'une d'entre elles. Ce n'était pas un ange, c'était une délinquante. Mais rien ne semble indiquer que c'était elle la cible. L'incendie s'est déclaré à cause d'un cocktail Molotov lancé dans la pièce. C'était sans doute dans le but de détruire l'épreuve. La trajectoire basse de la balle suggère que le tireur pourrait être quelqu'un de la taille du pingouin. Mais les marques sur le sol indiquent que la victime a été tuée par une personne enfoncée dans un fauteuil. Cette balle provient d'un revolver. L'analyse balistique indique un angle de trajectoire bas. Le tireur pourrait être quelqu'un de la taille du pingouin. Mais la trace laissée par la poudre semble indiquer que la balle a été tirée par quelqu'un qui était allongé sur le sol. Ces empreintes correspondent à celles du pingouin. Mais elles se trouvent par-dessus la suie. La police avait raison. Le pingouin était dans la pièce. Mais ses empreintes indiquent qu'il est arrivé après les meurtres. S'il n'a pas tué Black Mask, alors qui ? La seule chose dont je sois sûr, c'est que le tueur de Tiffany était allongé sur le sol. Pourquoi? Cette trace blanche, c'est du cirage.
Celui qui a tiré sur Tiffany s'est fait traîner sur le sol. En plus des victimes, il y avait deux autres personnes dans la pièce. Le tueur de Tiffany et la personne qui a traîné le tireur. Il faudrait que je découvre d'où est parti le tir qui a tué l'homme. Ici, l'ADN n'appartient à aucune des victimes. À qui est-il ? L'incendie s'est déclaré quand quelqu'un a surpris le tireur. J'ignore qui a remporté le combat. Ça peut être l'un comme l'autre. Je dois revoir les preuves pour tenter d'en apprendre plus sur l'intrus ou sur le tireur. L'analyse du tissu indique que l'intrus portait un costume blanc ou une veste de sport. Cet échantillon de tissu devrait m'aider à identifier l'intrus, mais je n'arrive pas à identifier le tueur de l'homme. Il y a une zone d'impact que je n'ai pas encore analysée. Cet ADN provient de la femme qui a été tuée. Le niveau d'oxydation suggère qu'il est là depuis plusieurs jours. Si j'analyse les preuves, je pourrais sans doute découvrir ce qu'elle faisait quand on l'a attaquée. Elle envoyait des messages à Roman Sionis au sujet de quelqu'un appelé le Joker. Quelqu'un a tué Black Mask, mais ce crime a eu lieu il y a plusieurs jours. Alors que j'ai vu Black Mask dans la soirée. Les réponses que j'ai soulèvent d'autres questions. Qui est le Joker ? Est-ce lui le tueur ? Ou fait-il partie des assassins ? J'ai un cadavre, un tireur inconnu et un agresseur non identifié qui a attaqué le tireur. Je dois comparer les échantillons ADN avec ceux de la base de données nationale des criminels pour savoir qui était dans la pièce. Alfred, je dois accéder à la base de données nationale des criminels. La seule façon d'y accéder, c'est de réussir à s'introduire dans les locaux du GCPD. Alors c'est là que je vais. Maître Bruce, la garde a été doublée dans les locaux de la police depuis la mort de Lobb. Vous allez devoir trouver un moyen d'entrer sans vous faire repérer. Sinon, vous n'atteindrez jamais la salle du serveur. C'est compris, merci. Ça va pas être facile. Et si je veux accéder à la base de données nationale des criminels et découvrir ce qui s'est passé au Lazy Towers, il faut que je trouve la salle du serveur, sans me faire repérer. Assassins en ville ce soir. D'après les infos dont on dispose, ils font partie des criminels les plus dangereux. Rien de moins. Après avoir interrogé Waylon Jones, nous avons appris qu'ils s'affrontaient tous pour une énorme prime que Black Mask a mise sur la tête de Batman. Où est-ce que je signe ? Vous croyez que c'était un fantôme ? Allons, un peu de silence, les gars. Notre but est d'assurer l'ordre dans cette ville. D'accord, écoute-moi. Pendant que vous jouiez les nettoyeurs à Black Gate, les autres, j'étais en train de nous faire de l'argent. J'ai conclu un marché avec notre pote Black Mask. Il va venir nous tuer Batman avant que ces assassins l'atteignent. Comme n'importe quelle ordure. Si on trouve pas de saloperie sur lui, on l'en fabrique. T'écoute. Et si le capitaine Gordon autorisait les détenus des cellules à se balader ? Tu peux dire qu'il y a
dois les libérer. Laisse-moi réfléchir un peu. T'as trouvé quelque chose ? Je réfléchis encore. Du calme ! Mon pied dans ta tête ! Je n'oublierai pas ! Où il est passé ? Toute information relative à l'arrestation de Blackmask. Raisonnable ! L'ordre du commissaire Lord. Allez-y, les gars ! Alors, qu'est-ce qu'il peut faire exactement, ton brouilleur ? Un peu de ceci, un peu de cela. Mais la plupart du temps, ce qu'il fait, ça n'est franchement pas des oignons. Oh, c'est comme ça que tu le prends. D'accord. J'ai peut-être demandé au type qui bosse au scellé d'y jeter un coup d'œil. Mais ils peuvent être un peu brutaux. J'espère qu'il n'est pas fragile. Pas encore toi. Parle, ou tu ne pourras bientôt plus marcher. Jamais. Ah ! Tu vas devoir expliquer pourquoi tu m'as balancé de ce toit, vieux. Non, c'est toi qui vas devoir t'expliquer. Comment marche ce brouilleur ? Demande à un des poulets ! Il est dans le local décellé ! Et si on allait faire une petite balade sur le toit ? D'accord ! D'accord, t'as gagné ! Il brouille les arbres ! Et il ouvre les verrous électroniques, d'accord ? Bon, tu vas me lâcher, hein ? J'hésite encore à te lâcher, mon cher. Ouf ! Alerte de niveau 1. Attention à tout le personnel. 2-1-1 signalé dans le secteur. 6-22 sur les yeux. Que tu laisses en liberté. C'est un criminel de la pire espèce. De celle qui pense que ses actions sont justifiées et qui agit complètement en dehors du système. Tu vois pas, le système est fichu. Barbara, attends. Il y a 50 millions de dollars qui nous attendent, alors je veux pas d'excuses. Tu es Batman, et à nous le fric. Tu devrais pas chercher dans ton secteur ? Ah, je vais laisser ça pour les gars du SWAT. Pourquoi ça ? T'as pas entendu ? Brandon a fait un deal avec Black Mask. Ils essaient de tuer Batman pour récupérer la prime. Tu te moques de moi ou quoi ? Gordon est au courant de ça ? Sion, le panier à ça... Oh ! Ça doit ressembler à un accident. Comme si Gordon avait perdu le contrôle. Il nous faut une bonne vieille émeute carcérale. Vous voulez une émeute ? Laissez-moi sortir. Hé, Toutou, il y a des caméras dans le coin. Vous laissez sortir personne. Il a pas tort. Si on laisse sortir ce taré. L'ennemi a disparu dans le fumée. Il vient pour nous tuer. Hé hey, toi, tu sais que tu vas casser le bras. J'arrête que ta tête est mise à prix. Il a livré toi-même. Les parents doivent être trop loin. J'avais entendu des rumeurs, mais je pensais que c'était des conneries. Parfait. Vous avez atteint l'infirmerie. Maintenant, cherchez l'entrée d'une vieille cage d'ascenseur. Cela vous conduira au local décellé. C'est bon. Pouvoir contourner la sécurité sur la porte de la salle du serveur. Alerte de niveau 1. On me signale des troubles avec des prisonniers dans les cellules. On est vraiment dans la merde. Les
meute a cessé, envoyez une équipe là-bas pour vérifier. Je ne comprends pas. Vous les libérez pour les frapper ? Je n'ai pas déclenché cette émeute. C'était Branden et les agents du SWAT. C'est ça. Un flic ferait jamais une chose pareille. Je parie que vous venez d'arriver. Branden ? C'est pas grave de prendre un peu de fric de temps en temps, mais ces gars savent pas s'arrêter. Vous pourriez faire le bon choix, les dénoncer. Et me faire buter ensuite ? Non, merci. Je compte les effectifs pour voir qui manque. Doucement. Je dois accéder à la base de données nationale des criminels. Elle est juste là. Vous devez passer beaucoup de temps ici. Chouette, Matos. Vous contournez la sécurité du réseau. Mais vous allez devoir raccorder physiquement l'intranet au câble de communication externe pour vous connecter. Ce genre de connaissances pourrait poser des problèmes à une jeune fille. Il passe sous le bâtiment. Qui ça ? Les câbles de communication. On y accède via les aiguilles. Attendez. Pourquoi est-ce que vous faites tout ça ? Parce que j'ai fait une promesse. Bande d'idiots, c'est moi ! Qu'est-ce qui vous prend ? On n'a pas le droit de briser les os et les dents de nos suspects. On a gagné le respect de Gotham. Si c'était vrai, je le saurais. Gordon, sortez de la ligne de tir ! Ne tirez pas. S'il bouge, descendez-vous. Vous n'avez nulle part où aller. Bougez, Gordon ! Je vais l'éliminer ! Plaque d'égout proche sur votre carte. Ces tunnels vous mèneront directement sous le GCPD. Beau travail, Alfred. Monsieur, tâchez d'éviter de trop traîner dans la... la boue en bas. N'oubliez pas celui qui nettoie votre tenue. Bizarre. Ce sont des hommes de Black Mask. C'est pas le genre de type que je m'attendais à croiser dans les égouts. Je suis sous le GCPD. Pourquoi les hommes de Black Mask posent des explosifs ici ? Il a toujours eu les flics dans la poche. Thank you.
câbles de communication doivent être sous vos yeux. Alfred, avons-nous accès à la base de données nationale des criminels ? Connexion confirmée. Vous pouvez procéder à l'analyse ADN. J'envoie aussi le dossier de la police pour l'affaire des Lacey Towers. Cette photo date du jour du meurtre. Ça correspond parfaitement. L'ADN en dit plus sur l'histoire. Et voici ce que la police a négligé. Roman Sionis est le propriétaire de la banque d'affaires de Gotham. Et il a installé une sécurité biométrique que lui seul peut franchir. Alfred, j'ai assez d'informations pour résoudre l'affaire des Lacey Towers. Voilà ce qui est arrivé. Pour l'instant, la police de Gotham croit que Roman Sionis est mort à cause d'une guerre de gangs, tué par le Pingouin. Mais je sais que c'est faux.